Route de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Alors c'est pour demain, hein, la brasserie des anges. Mais non, mais viens, te sauve pas. C'est pour demain, on est d'accord? Oui. Demain, entre 10h et 11h, on va dire. Aujourd'hui, on avait énormément d'invités. On avait un grand qui s'appelle Petit, conseiller départemental. Oui, exactement, exactement. Annie, qui élève des brebis, qui était vraiment top. J'aime bien les filles. En général, les filles arrivent à s'exprimer comme il faut. Il y avait une dame qui parlait du centre où ils font venir des athlètes, enfin des gens pour faire du sport, etc. Olympique, on va dire, etc. Ouais, ouais. Et il y avait le pisciculteur aussi qui n'a pas parlé beaucoup. Après, je suis allé le voir. Johan. Dans, voilà, Johan, bah, tu vois. Oui, mais je connais tous. Ah, bah oui, tu les connais dans sa pisciculture. Et puis, qui j'oublie, je peux oublier. Hélène. Marie qui faisait de l'alpaga. Non, qui et puis il y avait le restaurateur aussi, et les maires et les élus. Bien sûr, le maire, les élus, il y a toujours des élus. Et, oui, il y a Valentin de Europa, ça s'appelle l'hôtel où on a mangé. Ah oui. Très très bien, on était reçus comme des princes. Donc là, demain tu seras là. Oui, tout à fait. 10h-11h, après 11h on ira dans le musée Jacques Chirac, un monsieur que j'ai rencontré, j'ai eu du pot. Et on verra sa fille, et que je ne connais pas, donc je suis un peu intimidé quand même, c'est la vérité. Voilà. Et là, alors à votre avis, on a bu de la bière ou on n'a pas bu de bière? Réfléchissez. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein.